Le dimanche dernier, on avait parlé d'un terme très capital, la croissance spirituelle. Et ce matin, nous allons parler de l'importance d'être brisé. Le brisement dans la vie d'un enfant de Dieu est très capital. Parce que l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Et il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a une lutte qui se passe entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Avec le Seigneur, nous devons être brisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sans le brisement, tu ne peux pas servir le Seigneur. Sans être brisé, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur de gloire en gloire. Mais un enfant de Dieu qui est brisé, qui a connu le brisement, marchera la tête haute. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Alléluia. Amen. Apôtre, quand il va marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. La raison pour laquelle, bien aimé, il est très capital, très important pour nous, les enfants de Dieu, d'être. Jean chapitre 12. L'évangile selon Jean, chapitre 12, verset 1 à 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, puis des grands prix, oignit les pieds de Jésus et elle le suit à les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, lui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine les pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Excusez-moi, pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus était à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie
Et leur frère Lazare, et Jésus, avait ressuscité. Ils étaient tous ensemble, autour d'une table pour manger. Et la Bible déclare, Marie ayant pris une livre d'un parfum de l'art pur des grands, éloignée le pied de Jésus, et l'essuya avec ses cheveux. Mais Judas n'était pas du tout content. Judas dira, il serait mieux de vendre ses parfums et donner l'argent aux pauvres. Or, dans son cœur, ce n'était pas la vérité. Jésus connaissant la pensée de cet homme, la Bible dit, il disait cela non, qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Alléluia. Cet homme voulait vendre ses parfums pour utiliser cet argent. Mais l'acte que Marie avait posé a touché le cœur de Jésus. Dans la Bible, bien aimée, encore nous posons des actes. Nous faisons des gestes qui ne glorifient pas le Seigneur notre Dieu. Mais il y a des actes que nous pouvons provoquer le ciel et toucher le cœur de Dieu. Ce sont des actes qui viennent tout droit dans nos cœurs. Papa profite. Papa a un intérêt quelconque, mais pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme avait besoin de quelque chose dans sa vie. Marc voulait vivre un changement radical dans sa vie. Elle avait compris une chose, que sa vie n'est pas correcte par rapport à la parole de Dieu. Elle voulait entrer dans une autre dimension pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Pendant longtemps, elle était là. Jésus était dans leur maison. Mais le jour où cette femme a compris que le Messie qui vient tout à manger ici à la maison, aujourd'hui moi je vais poser un acte pour toucher le cœur de cet homme. Pas seulement pour plaire à Jésus, mais pour vivre un plus dans sa vie. Il avait besoin de vivre le plus dans sa vie. Elle voulait vivre un changement afin de bien marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, dans le ministère peut-être, dans ton foyer peut-être, c'est toi-même qui es l'obstacle sans le savoir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voit ton intérieur et ton extérieur ne marche pas en harmonie. Et les jours-là, Marc a voulu changer sa vie. Il a pris la décision de rentrer dans un monde spirituel. Et elle a utilisé les paroles. Alléluia. Amen. Ton extérieur, parfois, ne respecte pas ton intérieur. Il y a une limite. Or, cependant, nous devons marcher selon l'esprit pour entrer dans la présence de Dieu. Mais à cause des distractions, même l'esprit de Dieu n'arrive pas à agir parce qu'il y a la distraction. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. Même dans les petites choses, l'esprit est étouffé, l'esprit est attristé, bien l'esprit de Dieu n'agira jamais.
fait parce qu'il n'y a pas la place pour l'esprit. Bonsoir, mais alléluia. Amen. Les parfums de cette femme, Marie, c'était en fait un grand prix. La Bible dit un parfum pur, des grands prix. Et cet parfum a suscité la convoitise même de Juda. Parce que cet homme avait besoin de l'argent. Un grand prix. C'était toute sa vie, son économie même. Et cette femme a pris le risque de verser les parfums pour la voir ici. Elle a donné une bonne offrande pour la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des offrandes qui poussent les cœurs de Dieu de prononcer une parole de bénédiction pour une personne. D'ouvrir le ciel et que la bénédiction tombe dans ta vie. Je connais cet homme, Salomon, a provoqué le ciel, il a donné une offrande pour la gloire de Dieu. Et la nuit même, cette nuit, le Seigneur l'a visité. Dieu lui posa la question, qu'est-ce que tu peux dire? Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné la richesse. Alléluia. Amen. La sagesse. Et en plus, la richesse. Les parfums de Marie étaient pris. Et un grand prix. La Bible déclare. Éloignit les pieds de Jésus et elle le suit à les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison était remplie de l'odeur. Cette femme est allée plus bas avec le Seigneur. Elle s'est humiliée dans la présence de Dieu, au pied de Jésus même. Elle n'a pas regardé son honneur. Elle n'a pas regardé sa réputation ou sa dignité. Mais elle a donné gloire à l'Éternel. Amen. Elle a préféré même de disparaître devant la présence du Messie. Elle est diminuée dans la présence de Jésus. Elle a utilisé même ses cheveux. Elle est les cheveux de la femme, c'est la gloire de la femme. Mais elle a pris sa couronne, sa gloire. Elle a déposé sa gloire au pied de Jésus. Elle a dit, toi Jésus, c'est toi qui mérites la gloire. Amen. C'est toi qui mérites l'honneur. C'est toi qui vas monter et que moi je diminue. Alléluia. Amen. La Bible déclare, lorsqu'elle a versé les parfums, la maison était remplie de l'odeur. L'odeur du parfum. Ça sentait bon dans la maison. Il y avait de l'odeur. C'est ce que Dieu veut pour nous, les enfants. Lorsque nous nous promenons avec l'odeur du parfum qui est Christ, et la faveur nous accompagnera. Et tout autour de nous, beaucoup seront bénis. Parce que nous communiquons la grâce de Dieu. Ce que Jésus nous demande de briser les parfums ce matin pour contempler sa gloire. Pour contempler sa gloire. Dans mon fort intérieur, il y a des sentiments. Il y a des sensations. Il y a des désirs, il y a parfois même la volonté, ma propre volonté et non la volonté de Dieu. Et si je ne laisse pas la place à l'esprit de marcher dans ma volonté, bien aimé, je ne peux pas être sûr dans mon parcours. Je ne peux pas vivre les miracles dans ma vie.
Et la Bible déclare, Marie s'est humiliée, Marthe plutôt. Et dans la bassesse, parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle voulait vivre quelque chose de similaire. Ce que Dieu nous demande ce matin, de lui donner le parfum de nos vies. Donne à Dieu le parfum de ta vie. Et quel est le parfum de ta vie? Ce que tu aimes beaucoup. Ce qui est parfois précieux pour toute ta vie. Ce qui est important, il ne me pas. Et la Bible dit, nous avons des désirs qui est contraire. La chair a des désirs qui est contraire à celle de l'esprit. Amen. Et si nous sommes conduits par l'esprit, bien nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Mais si nous sommes conduits selon la chair, personne ne verra la gloire. Personne ne vivra le miracle. Parce que le Seigneur de tout puissant n'aura jamais la place dans nos vies. Dans nos maisons, et même dans son église. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Celui qui aime sa vie, la perdra. Nous devons aimer d'abord Jésus-Christ. Si Jésus est glorifié, Jésus est élevé, Jésus-Christ est célébré, bien aimé, nous allons vivre le miracle dans nos vies. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas demandé quelque chose à Dieu. Mais quand ton roi est élevé, le royaume est élevé, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est des signes naturels. Et la chair n'a pas d'importance que l'esprit. Ce qui est important, c'est l'esprit. Avant de venir enseigner, l'Esprit de Dieu était déjà là. Pour arriver ce matin, ce dimanche, il avait dit, dans le sang des saints, dans le spirituel, Dieu avait tout planifié. À 16h, 17h, 18h, et jusqu'à minuit, le roi des gloires a tout planifié. Ma vie, c'est d'abord le spirituel. Ma force, c'est le spirituel. Ma victoire, c'est le spirituel. Si spirituellement tu es fort, bien aimé, physiquement, tu seras également fort. Amen. Mais spirituellement, tu n'es pas fort. Physiquement également, tu ne seras pas fort. Spirituellement, bien aimé, je suis en communion avec mon Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, le roi David, il a terrassé Goliath, mais ce n'était pas le physique. Parce que physiquement parlant, David était plus petit. Rien, il se représentait rien devant Goliath. Goliath était un homme géant, un homme fort, un guerrier, depuis sa naissance. Mais David se présenta devant cet homme parce que David avait un grand Dieu. Amen. Intérieurement, bien aimé, David était costaud, David était fort. Et ce n'est pas David qui a combattu, mais son Dieu qui a combattu. Amen. Spirituellement, si tu es fort, il y a des combats que toi tu ne combattras pas, mais c'est l'Éternel qui combattra ta place. Amen. Si spirituellement je suis fort, éternellement aussi je serai fort. La Bible dit qu'il te fera la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Parce qu'en toi il y a un grand Dieu, en toi il y a l'Éternel des armées, en toi il y a le Dieu tout puissant qui a créé le ciel et la terre.
situation. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est ni ta tante, ce n'est même pas ton mari qui contrôle la situation, mais c'est ton Dieu qui contrôle la situation. Qui dit amen. Amen. Et David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Nzambe na mapinga. Ceux qui sont armés, la contingent, plus que même Oni. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, plus que même les nations unies. Oni a échoué en Afghanistan, au Congo, Oni a échoué. Alléluia. Amen. Ils sont allés en Irak, ils ont échoué. Parce que derrière les combats, il y a des trucs un peu compliqués. Mais c'est la justice. La vraie justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons. Amen. C'est amen. Bien aimé, ne combattez pas la bouteille. La bouteille va faire. Marc n'a pas combattu la bouteille. Elle a préféré verser le parfum. Ne combattez pas la bouteille, mais ayez le désir de sentir l'odeur du parfum. L'odeur va sortir. Et Dieu va dégager son onction dans ta vie. Si le cœur, bébé, ne sort pas, les gens ne sont pas l'odeur, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Il n'y aura pas la puissance, il n'y aura pas la manifestation de Dieu. Parce que Dieu attend que l'odeur puisse se dégager et que l'esprit puisse agir. Moi, j'aimerais mieux libérer ma vie. Que ma vie soit une offrande de bonne odeur auprès de mon roi. Et lorsque nous célébrons, bien-aimé, notre Dieu, nous adorons le roi des rois. Et nous quittons la terre, nous montons dans sa présence, dans le sein des saints. Nous nous oublions parfois que nous sommes dans la terre, sur la terre, mais nous montons. Et quelqu'un qui adore le Seigneur, en esprit et en vérité, quelque chose se passe dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais quand tu adores le Seigneur, et tu penses à tes dettes, tu penses à ta souffrance, tu penses à la maison, bien, mais tu ne peux pas adorer Dieu en esprit. Et s'il faut marcher avec le Seigneur, s'il n'y a pas l'odeur du parfum en toi, il n'y aura pas la manifestation de la présence de Dieu. Il n'y aura jamais la manifestation. Que le Seigneur te brise. Que le Dieu Tout-Puissant te brise. Et lorsque la bouteille est brisée, la chair qui s'est crucifiée, tu n'auras jamais le désir de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à celle de Dieu. Et les désirs de la chair nous amènent tout droit à la mort. Mais lorsque nous donnons la place à l'esprit, l'esprit va régner, l'esprit va dominer, bien nous allons aller tout doucement, lentement et sûrement vers la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, notre roi, ce matin vient t'amener jusqu'à la mort. Et que tu sois ressuscité avec lui. Il t'amène à la mort et il te ressuscite en même temps. Et l'acte Marc a posé, l'acte Marc est allé plus bas avec le Seigneur. Et il est descendu avec le Seigneur spirituellement. Et lorsque le Messie est ressuscité, Marc aussi est ressuscité. Je n'ai pas dit que Marc a été crucifié à la croix, non. Mais l'acte que cette femme avait posé, qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons. Jean chapitre 12, verset 7. Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Le jour de ma sépulture.
Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Il fallait pas embaumer Jésus. Marthe a eu cette révélation. Basa comme embaumer Jésus, il y a des moutons contribuer dans le parfum. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alléluia. Amen. Cela veut dire, il a participé aussi à la mort. Elle a contribué aussi d'une manière ou d'une autre. Et dans le surnaturel, cette femme était bénie. Cette femme était bénie. Et quelque part, Jésus a dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. N'est-ce pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, on citera le nom de cette femme. Il y a des choses exceptionnelles que Dieu fait dans la vie de plusieurs. Même dans la marche chrétienne. Il y a ceux qui ont connu la faveur de Dieu, même à la dernière minute. Se croyez jamais l'attitude ou l'esprit de juger les gens avant les temps. Parce que la vie d'un homme appartient à Dieu. Amen. Même les comportements, les conduites ou la marche d'un enfant de Dieu. Même les païens, c'est Dieu qui les a créés. Nous avons vu qu'à la croix, les voleurs étaient sauvés à la dernière minute. Lui qui ne connaissait pas le Seigneur. Et quand j'ai dit la parole, lorsque Jésus venait chez Marie et Marthe, c'est Marie qui était tout le temps au pied du Seigneur pour écouter la parole. Mais Marthe tenait les soins, et cuisinait, et travaillait, elle ne s'occupait pas de la parole. Mais à la dernière minute, elle a posé un acte inoubliable. Il a réjoui le cœur de Jésus et cette femme était complètement bénie. Elle voulait vivre le brisement dans sa vie. Que sa vie change. Même Jésus lui-même a déposé sa chair à la croix. Et après avoir déposé sa chair à la croix, il a donné l'accès à l'esprit de se mouvoir. La Bible dit son nom est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Il a déposé sa chair, son corps à la croix. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Il n'a pas voulu garder son corps. Il n'a pas voulu donner l'importance à la chair. Mais il a donné l'importance à l'esprit. Et partout, bien aimé, où la bonne nouvelle est annoncée, de génération en génération, Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est célébré. Jésus-Christ est élevé en dignité. Qui dit Amen? Amen. Parce que c'est lui le roi. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Et si nous voulons travailler, bien aimé, avec Dieu, nous devons être libérés dans la chair. Si la chair n'est pas libérée, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. L'œuvre de Dieu, où la marche chrétienne sera comme une corvée, une punition. Quand on dit les jeunes, ah non, 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 les jeunes, non, c'est trop. Si
s'il y a un programme de veillée, parce que tu vis dans la présence de Dieu, avec la chair, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que l'esprit n'est pas libéré. Le parfum est encore dans la bouteille. Mais si le parfum est resté, l'onction sera dégagée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les capacités de percer notre âme nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 16, cet homme de Dieu a dit quelque chose. Apôtre Paul. 2 Corinthiens. Chapitre 4, verset 16. Nous pouvons aller même jusqu'à 17 ou 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu dira ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Cet homme n'a pas perdu courage. Il a dit, lors même que notre homme extérieur est détruit, allez, je peux. Les combats, les difficultés, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. De jour en jour, l'homme intérieur se renouvelle. Parce que l'homme intérieur est en communion permanente avec l'Esprit de Dieu. C'est renouvelé. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Car les choses visibles sont passagères. Mais nous regardons aux choses invisibles. Et pour vous dire que c'est l'invisible qui contrôle l'invisible. C'est le spirituel qui gouverne le naturel. C'est mon esprit qui contrôle ma chair. Tout ce que Dieu me donne, tout ce que le ciel m'accorde, bien mais premièrement, ça commence par l'esprit. Le naturel n'a pas le pouvoir. Mais c'est le surnaturel qui contrôle. Amen. Le visible n'a pas la force, mais c'est le visible qui contrôle tout. Le Seigneur nous pousse parfois à commettre des bêtises ou les péchés. Parce que la chair a des sentiments, la chair a des émotions. Mais l'esprit est puissant, l'esprit est fort, l'esprit n'a peur de rien. Car l'esprit ne meurt jamais. Alléluia. Amen. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne commet jamais d'accident. Et l'homme intérieur ne se détruit jamais. Parce que c'est Dieu. Voilà ce qu'on est. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Soyez brisés dans ton cœur. Soyez brisé extérieurement et ton esprit commencera à grandir. Ton esprit commencera à monter.
il y a des choses cachées par Dieu se manifestera. Lentement, elles seront. Tu seras un témoignage pour plusieurs. Les gens viendront auprès de toi parce que tu as des prix aux yeux de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec le Seigneur. C'est l'homme extérieur. Mais c'est l'homme intérieur qui contrôle. Abandonne tes intérêts. Abandonne même tes pensées, ta philosophie, tes désirs, tes sentiments, tes émotions entre les mains de Dieu. Le Seigneur te conduira tout doucement. Et tu vas dominer avec Dieu. Et quelqu'un qui domine avec Dieu, voulu ou pas, il réussira dans tout ce qui va entreprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette lutte, nous avons besoin de Jésus. Dans ce combat, nous avons besoin de lui. La vie, au que les gens ne sont pas sous jamais la solution, il y a des drames. Avec la chair, le physique, tu ne peux pas résoudre les problèmes spirituels. J'ai eu le temps de travailler spirituellement dans les délivrances par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Bien aimé pour vous dire que sans l'Esprit de Dieu, même un caillou ne bougera jamais. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est la force pour l'Église. C'est une puissance pour un enfant de Dieu. La raison pour laquelle Dieu dira à David, j'ordonne qu'il soit puissant. Amen. Alléluia. Amen. J'ordonne que tu sois puissant. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la chair. La vie chrétienne, c'est l'esprit. Tout abandonne. Nos richesses, nos intérêts, nos besoins, nos volontés au pied de la croix. Et Marc a connu cette expérience. Elle a fait. Elle a donné la première place à Jésus. Jésus est allé à la croix avec cette femme. Et Jésus est ressuscité avec cette femme. Et spirituellement, si elle vivait dans notre époque, les gens allaient témoigner que cette femme a commis le faveur. Cette femme a commis le miracle parce qu'elle s'est humiliée au pied de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous. Malgré il y a la rivalité intérieure, mais nous devons nous efforcer pour honorer notre Dieu. Laisser la place à Dieu. Parfois nous compliquons les choses nous-mêmes. Parfois les choses ne marchent pas parce que nous sommes des coupables. Nous. Ne condamne jamais personne. Ne condamne jamais les pasteurs, ni l'Église. Mais examine le Père ta vie. Est-ce que tu as donné la place à l'homme intérieur ou à l'homme extérieur? Et c'est l'homme extérieur qui domine, qui dirige l'esprit en général. Alléluia. Amen. Mais nous devons laisser la place à l'homme intérieur. Nous allons contempler là-bas. Romains chapitre 7. Verset 18 à 24. Romains chapitre 7, verset 18 à 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est le monde intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi